Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bravely Default 2. J'espère que vous allez bien. Et nous allons tout de suite aller voir ce qu'il se passe ici même. Probablement le méchant que nous allons devoir affronter. Pour qui vous prenez-vous pour oser me déranger pendant ma remarquable expérience? Partez immédiatement si vous tenez à la vie. Et sûrement pas. Laisse partir mon peuple ou tu le regretteras. Oh, est-ce l'accent de Wizwald que j'entends là? Moi qui croyais que Roddy était le dernier qui restait. Mais peu importe, si ton objectif est de sauver tes compatriotes, tu as intérêt à agir très rapidement. Le moment est presque venu. Vois-tu? Venez, on doit faire vite. Tchac, 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 tchac. Ah ben, sérieusement là? Sérieusement? Ah bah super. On ne peut plus faire demi-tour. Ah! D'accord. Ok, ok, my bad. Je pensais que je pouvais retourner sauvegarder, mais... Il faut croire que non. Vite! Ah mais parce qu'il est là, direct. Ok, très bien. Alors lui, sa classe m'intéresse bien. Son astérisque. C'est absolument fascinant. J'étais certain que mes sbires trompent la mort se chargeraient de vous. Ou alors que vous succomberiez au désespoir et que vous abandonneriez en route. Mais non, vous avez réussi à parvenir jusqu'ici. Tout cela n'était qu'un petit divertissement. Fort distrayant. Mais le spectacle principal va bientôt commencer. Je mets du rouge à lèvres bleues parce que ça me rend mortel. Oh, c'est nous le divertissement, mon vieux. Désolé de ne pas offrir le haut de l'affiche. Vous ne ferez que de la figuration en tant que soldat dans mon armée de morts-vivants une fois que j'en aurai fini avec vous. Ah, je regrette, mais ça se passera pas comme ça. Pour toi, c'est terminé. Les habitants de Wizwald vont rentrer chez eux. En tant que citoyen de cette belle nation et en tant qu'élève de la puissante dame Emma, je le promets. Emma était ton professeur. Cette incompétente brouillonne et ennuyeuse à mourir. Et tu as l'intention de me barrer de la route, comme elle l'a fait. Oh, il fait peur. Je suis le seigneur des morts vivants, le puissant sorcier de l'au-delà. Tu n'es pas puissant du tout, mon vieux. Tu n'es qu'un imbécile pathétique qui a piqué sa crise et s'est enfui parce qu'il ne parvenait pas à l'emporter sur Dame Emma. Comment oses-tu? Je suis choqué. Si tu penses pouvoir de nous faire des pantins décérébrés, tu vas être drôlement surpris. Bien qu'on en finisse, il est temps pour toi de mourir et de rester bien mort cette fois. Bien dit. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il va nous éclater la gueule un petit peu, non? Je suis le plus grand et le plus puissant des wizards. On est arrivé, on s'est pris 3000 dégâts dans la tronche. Alors, posture fluide, je me sens pas bien là. On va regarder ce qu'il a comme PV. On va être à 100 000 là, non? 50 000, c'est tout! Mais tout va bien. Est-ce que je ferais pas ça? Juste comme ça, on a régénération et auréole, ça me paraît bien. On va faire ça. Comme ça, si on se fait vraiment défoncer, on a le raise qui est présent. Ah ouais, non, mais le... Ah, elle a 9900. C'est vrai que quand elle se soigne, ça fait... Ça passe au-dessus. Bon, 9900 PV. Très bien. Domptage. Est-ce que je peux débridement, par exemple, l'espèce de cheval, là? En plus, il craint. Non, c'est pas du tout... What? On lui a fait 9000... On lui a fait 10000 dégâts. Loul. Loul, c'est la première fois. Non, même plus. Ah non, c'est ça. Art de l'épée, art du bouclier. Défenseur du peuple. Tu contre-attaques là, merci. Divination, complément élémentaire, lumière. Hop, divination, célérité. Pourquoi il a... Ah non, attends. Ça, c'est juste ça a bugué, ok.
il l'a toujours. Coupe cardinale. Spiritisme, on va faire esprit de revitalisation. Attends. On gagne tous des pives à la fin. Art de l'épée, posture stable du coup. Hein. Attends. Ok. J'ai plus celui qu'il me fallait. Coup de sabot. 3500. T'as le petit prêtre là, 10 000 PV. Si on perd le combat, je vais farmer les prêtres. Hein. je vous le dis direct. Vie. Non, bah non, on s'en fout. Spiritisme. On peut lui faire un truc, lui, non? Bannissement, inflige une attaque puissante magique à une ou toutes les cibles. 834. Complément élémentaire. Temps de ralentir une cible. Permet une cible d'agir plus rapidement. Ça me paraît bien, ça. Il fait quoi là? Ouf. Ouais, lui, s'il a pris cher. Gloria, elle a pris rien. Art de l'épée. J'attaque plus à la lumière, moi. Donc, on va faire une spéciale, peut-être. Tranchage circulaire. 6700. C'est pas dégueu. L'esprit, soin. Ouais. Un petit peu de soin pour tout le monde, ça fait plaisir. Ok, il fait quoi lui? Permet à tous les alliés même d'agir plus tôt. Bah, let's go. Là, il faut réfléchir rapidement. Art de l'épée, posture stable. J'ai déjà la posture stable. Paf. Domptage, débridement. Non, on va faire ça. Ah non, c'est un protecteur. Tourmente, j'ai pas un truc. Yeti, il va rien faire. Arts martiaux, on va faire un. On va faire une flamme de guerre, allez. Ah, 4 dessus quand même. Ah, mais non! Ah merde, si j'avais su. Il absorbe le feu, j'ai rendu des PV. Merde. C'est pas bon ça. Hop. Ok, éclair. Mais elle s'en fout complet, Gloria. Ok, art de l'épée. Oh, elle va juste attaquer à mort. Hein. Il attaque 8 fois, quoi. Et il crève. Hein. Ouais, il est pas loin de crever. on va faire... Vie, spiritisme, auréole sur lui. Hop. Aïe. Mais Gloria, elle a 1 milliard de PV. Final explosif. Ah mais non, il est mort. Ah mais non, il s'est res. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous en dites? De ma force phénoménale. Tu t'es fait éclater, mec. Maintenant que je suis le puissant censé de l'Olala, maintenant que j'ai la série des Arcalistes, je suis devenu le plus grand mage de tous les temps. Personne ne peut rien contre moi. Pas Emma et encore moins son misérable élève. Il y a une phase 2. Ah merde. Deuxième phase. Mais Gloria s'en fout. Et ça, c'est les remords. Mais pourquoi? Ah, il est revenu à 40 000. Ah! Ah, ça va être plus compliqué que prévu là. Divination. Triple. Ah, il y a une résistance possible, elle est non.
Merde. Parce qu'un adversaire. Oh, c'est problématique ça. Ah, j'ai tous mis une puissante attaque physique. Point de pression, alors on va faire ça. Hein. Là, je vais avoir besoin des prêtres là. Attendez, spiritisme. Je suis à combien là? 8. Bon, il faut que je fasse une vie déjà. Alors je peux faire vie juste lui. Magie blanche. Soin 3. Spiritisme. On va faire un esprit de soin. Ah non, on va faire auréole. Sur 16. Hop. Divination at. On va faire un défaut. Oh merde. Ombre 3. Ça je m'en fous. Allez. Ouais, le coup critique. Ils sont re en vie. Ok, Débraillement, j'aimerais bien lui défoncer la gueule quand même. Après ça, ça peut être bien. Valation, je sais pas ce que ça fait. Art de l'épée, posture fluide. Et on va peut-être faire un enchaînement fluide. Je sais pas ce qu'il fait le petit item là. Ah bah voilà. Barrière magique. Donc la première fois qu'on se prend des dégâts, c'est la barrière, c'est un bouclier divin, très bien. Spiritisme, auréole. Divination, hâte. On va la faire speed up un petit peu. Montage. Une attaque physiquement incroyable puissante. Ok. Bon là il va nous éclater du coup. Ah non. Ouais, il y va par vague comme ça. Mais l'auréole c'est fort. Là il est plus en posture du tout. Garde l'épée. Coupe cardinale hein. On va y aller à coupe cardinale, ça me paraît mieux. Domptage. Je peux faire un lâcher bestial du coup peut-être. Juste ça, j'ai pas besoin de le faire en groupe du coup. Bon, magie blanche. Ça serait bien de faire un soin là. Hein. Okay. Même si le spiritisme, j'avoue. Arts martiaux, on pourrait faire une focalisation encore. Hein. 5000, ouais, ouais. C'est pas dégueu. Coupe cardinale. Hein. Paf, 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 paf. Absorption, ok, il s'est soigné. 3000, oh, c'est pas dégueu. Spiritisme, je suis à combien? Ouais, 5. On va faire auréole sur 16. Art Dracon, mais en divination on va lui mettre hâte. Paf 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 paf. Paf, merde ça c'est pas cool. Magie blanche, non on va refaire spiritisme, et par contre là on va peut-être faire un esprit de soin parce que... Ah mais j'avais plus d'esprit, merde. C'est vrai que j'avais encore un esprit mais... Paf 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 paf. Aïe, arts martiaux. Paf DC, incroyable puissance réduite de 20%. Ah non, t'es à 2800, t'es sérieux?
Là, c'est Sonic. Ben voilà. Là, il est mort, non? Toujours pas. Bien, vous n'êtes pas aussi misérable que vous en avez l'air. Ce sont ceux qui peuvent m'importuner aussi longtemps. Mais vous n'allez pas imaginer un instant que vous êtes en mesure de me vaincre. Et il va passer à 29 000, peut-être. Ni vous ni personne, après tout. Je suis le puissant sorcier de l'au-delà. Ouais, c'est ça. Après, il passe à 19. Après, il passe à 9. Ok. Chaud. Du coup, si on crève, il faut vraiment que j'ai des machins, quoi. Ah, vous m'avez compris. Ça rend des PN. Ouais, bon, il est mort. Ouais, ça c'est chaud. Parce que les 9000 dégâts, ils ont fait plaisir, quoi. Inflige à tous les ennemis une puissante attaque physique. Bon, il a l'air d'être seul, donc ça me. Comment se capturer ses déchets brutalement sur la cible. Ah, là, je pense que l'ombre, c'est comme le feu. Il y a. Ouais. Bon, 3000, c'est pas forcément le mieux. Lui, faut que je le. Faut que je le ranime. Hein. Par contre, il a plus d'auréole l'autre. Divination. Il est plus en hâte. Lumière. Il craint la lumière, hein, c'est ça. Hop, art de l'épée. Vulnérable à la lumière, là ça rend des PV, c'est cool. J'ai plus du tout de PM, donc faut que ça spiritisme. Oh, on a tous auréole encore. Du coup je peux mettre en défaut. Là, j'ai besoin de faire des tours de défaut. Ah non, j'aurais dû attaquer lui, avec lui par contre. Merde. Nation at. Là on va prendre le fer, lui prend 0. Ah, c'est cool. Arts martiaux, focalisation. Art de l'épée, j'ai plus rien, donc on va se mettre en posture fluide quand tu prends des dégâts. Ça peut être pas mal. Spiritisme. Revitalisation, je pense que j'en viens d'en avoir besoin là. On a plus de PM. Hein. Focalisation. Là, je peux faire mon spécial peut-être. Parce que ça augmente nos épées. Ok guys, go go go. 4000 PV, ouais. Mais l'épée là je peux rien faire. Je peux faire un défenseur du peuple cela dit. Divination. Ah, draconier, on pourrait sauter lui. Là, il se met en défaut. Il va faire un 3. Merde, je voulais pas qu'il retombe. Parce que là, il fait sidéral. Ok, il s'est fait niquer. Enfin, il s'est pas fait niquer. On va faire point de pression. Et les dégâts, et là, il va nous éclater. Ok. Donc, contre-attaque. Ça pique, hein. On sait s'il va crever. 4700. Pas dégueu. Allez, repasse à 19. Comme c'est regrettable, vraiment très regrettable. Vous avez dit, non, je vous avais dit que je ne pouvais pas mourir. Je vous avais dit que j'étais invincible. Je crois me souvenir de quelque chose dans ce goût-là, oui. Mais ce n'est pas concevable, n'est-ce pas? Bien sûr que ça l'est. Je ne suis pas si sûr, à vrai dire. Ah ben voilà. Mais, qu'est-ce qui m'arrive? Je fonds. Ah, ça y est, c'est fini. On n'est pas en dessous de 19. Désolé, mon vieux. Damema a encore eu le dessus. Il s'était donné la peine de lire les travaux. Ah, il s'est pris le pieu.
Et oui, futé, hein, ce n'était pas le genre à faire les choses à moitié. Ne lui tourne pas dos, ne lui tourne pas le dos. Mia, soyez maudit. C'est intolérable. Je refuse de... Au revoir. Enfin, adieu plutôt. Ah, et l'autre il crève, mais il reprend la vie. Gloria apprend la compétence bannissement. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il aurait mouru et il aurait pas eu l'XP. Alors que là, il avait le petit auréole. Gloria, elle a carry. Hein. Elle avait 9000 PV, elle a foutu auréole à tout le monde là. Le soin de malade. En vrai, ils ont tous bien géré. Et même le domptage, c'est fort. Les 10 000 PV, les 10 000 dégâts, je les ai pas vu venir. Hein. Alors, les arcanistes peuvent infliger des attaques magiques puissantes dont certains frappent parfois au hasard. Inflige une attaque magique d'ombre à une ou toutes les cibles, inflige une attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis qui mêlent les pouvoirs de feu et de l'eau. What? Pourquoi ça inflige des... Pourquoi on aura envie de faire des dégâts aux alliés? C'est bizarre. A voir. On va voir ce que ça fait lui. Parce que là, je suis plutôt satisfait de ma compo. Elvis. Je ne sais pas quoi vous dire, Elvis, vous tous, merci. Oui, merci infiniment. Sans vous, nous étions perdus. Bah, il n'y a pas de quoi, j'allais quand même pas me laisser cette bonne ville de Weaswell dans la panade alors qu'il avait besoin de moi. Ben voyons. Alors, princesse Gloria, quelle est la suite? Eh bien, Weaswell est en sécurité pour l'instant, mais d'autres royaumes sont toujours menacés. Et bien qu'il nous faille trouver d'autres éléments pour étayer cette supposition, il me semble que tout cela soit l'œuvre d'Holograd. J'ai l'intention d'aller apporter notre aide à ces royaumes, comme nous l'avons fait pour le vôtre. Je vois. Dans ce cas, écoutez-moi. Cela va prendre un peu de temps pour remettre de l'ordre par ici. Mais une fois que nous sommes remis sur pied, nous vous aiderons à récupérer le cristal du vent. C'est une promesse. Merci, mon vieux pote. A priori, les forces d'Holograd sont plutôt bien protégées quand elles partent au combat, mais je suis sûr qu'il existe un ou deux sorts pour régler ce problème. Nous serons prêts à vous joindre à vous quand vous décidez de passer à l'action. Très bien. Merci à tous les deux. Nous serons très reconnaissants de votre aide. Ok. Ta-da-da. Ah, ok, on est retourné direct ici. Pas le temps de niaiser. On va aller voir les classes, du coup. Et voir ce que fait le fantôme. Ah non, what? On en a eu deux? Arcaniste et fantôme? Non, fantôme, on l'avait déjà eu, non? Non, on a eu l'arcaniste. Fantôme, il fait quoi, fantôme? Il vient d'où, fantôme? Ah, il vient du précédent. Bah non, si, c'est ça. Fantôme, il vient du précédent. Mais comme on l'a pas fait dans l'ordre escompté, ils ont mis l'arcaniste d'abord. Alors, qu'est-ce que ça fait? Inflige une attaque magique d'ombre à une ou toutes les cibles. Inflige une attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis qui mêlent les pouvoirs du feu et de l'eau. Lance une attaque magique qui absorbe les PV d'une cible. Inflige une puissante attaque magique d'ombre à une ou toutes les cibles. Inflige une attaque aussi bien aux alliés qu'aux ennemis qui mêlent les pouvoirs de la foudre et de la lumière. Lance une attaque magique qui absorbe les PM d'une cible. Inflige une attaque magique d'ombre extrêmement puissante à une ou toutes les cibles. Inflige une puissante attaque aussi bien aux alliés machin. Tente de mettre une cible instantanément KO. Pardon. C'est une compétence, ça. Tente de mettre une cible instantanément KO. C'est quoi le pourcentage? 5% des PM sont restitués à la fin de chaque tour. C'est pas dégueu, ça. Inflige de 2 à 4 attaques magiques non élémentaires rapides à une cible. Inflige une attaque magique d'ombre incroyablement puissante à une cible. Apocalypse, incroyablement puissante. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre quelqu'un sur ça. J'aime beaucoup la dynamique qu'on a avec... avec l'oracle. Peut-être que le chevalier dragon, il est pas si intéressant que ça. En fait. Donc on peut peut-être mettre arcaniste à la place de chevalier dragon. Parce que dompteur, c'est fort, ça lui augmente ses statistiques à mort. Mettre des esprits mages blancs, ça bougera jamais. Mettre des lames, des boucliers, je trouve la dynamique assez intéressante. Oracle, j'aime beaucoup. Et le chevalier dragon, je l'utilise pas tant que ça. Donc est-ce que... avoir lui qui fait quelques dégâts ciblés en d'ombre que je n'ai pas, parce que j'ai de la lumière, j'ai tout ça. Et la régénération des PM peut être intéressante. Je sais pas trop. Parce que chevalier dragon, ça fait des trucs pas mal quand même. Si ça fait des dégâts, c'est pas mal. Miroir, ça fait quoi? Miroir devant une cible, une barrière qui envoie la magie durant deux tours. Ah, c'est bien ça. Concrètement, il est fort avec quoi lui?
Ouais, il est pas fort à la lance ce truc là. L'oracle il est B et B. Si j'enlève le dragon. Classe, si je lui enlève ça. L'oracle il est fort avec quoi? Ouais il est fort qu'avec ça. Donc en fait avec le dragon ça va bien. Parce que... avec ça... il est fort avec... je suppose les bâtons et tout, non? Ouais il est fort avec les bâtons. Ce qui ne va pas bien avec... En vrai avec le dragon ça allait bien. Hein. On va les finir comme ça, on va les reprendre. Non, on va remettre oracle. Hop. Non, on va pas mettre, tant pis. Ça me paraissait bien, mais en fait, non. On a quoi, là? On a l'auberge, là? Non. On a une discussion. On va aller lire la discussion. De nouveau en sécurité. Bon, on dirait que ma chère ville de Wizual a tenu le coup cette fois encore, hein. Merci à tous. Inutile de nous remercier, nous sommes tous ensemble dans cette histoire. Oui, nous étions tous prêts à faire l'impossible pour que les habitants de Wizual soient de nouveau en sécurité. Heureusement qu'on en est arrivé à temps, hein. Si on avait trop tardé, Visigno aurait... qui sait ce qui serait arrivé s'il avait transformé tous les habitants de la ville en morts-vivants. Ah, cette seule pensée me donne la nausée. Mais nous l'avons arrêté, c'est ce qui compte. Oui, et Rodi et Lily ont aussi accepté de nous aider pour la suite des événements. Et croyez-moi, ils seront d'une aide précieuse, vous pouvez compter là-dessus. Mais nous devrions d'abord leur laisser un peu de temps pour remettre dans l'ordre ici. Cela vaut cependant la peine d'attendre. Les gros muscles d'Hologra ne font pas le poids face aux compétences magiques de Wizwald. Oui, je me sentirai plus en sécurité avec une armée de magiciens pour assurer nos arrières. En effet, je serai heureuse d'avoir leur soutien le moment venu, même si je ne vois pas comment nous pourrons jamais leur rendre l'appareil. Oh, sera assez facile. Et tous attendront avec impatience le jour où tu le feras. Mais qu'en puis-je faire? Je ne suis qu'une princesse sans royaume. Ouais, mais une princesse avec un visage qui illuminerait n'importe quel jour sombre. Passer, montrer ce minois chez eux de temps à autre, et tu leur auras rendu cette faveur en un rien de temps. Serais-tu en train de la draguer? Parce que je te préviens, je crois que Cess ne sera pas d'accord. Hein. L'auberge est là, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais que je peux faire la vue panoramique pour vérifier, mais... j'en étais quasiment certain. Est-ce qu'on a des nouveautés au niveau du magasin? On va aller voir ça. Hop, vu panoramique, est-ce que le magasin me dit qu'il y a des nouveaux? Oui, il y a des nouveaux. Les équipements. Donc allons-y. C'est lui le magasin? C'est lui le magasin. Achetons. Maxi potion, ça fait quoi ça? 2500 PV, on s'en fout. 180 PM, on a 40. Ok. Poignard, j'ai pas besoin d'un poignard. Sabre d'assaut. Mais c'est ce qu'on a déjà. Alors la lance est bien pour... Ah mais c'est ce que j'ai déjà pour lui, ok. Bah y'a rien de nouveau en fait. Spectre de Gaïa, bâton d'Hydrasil, spectre de Gaïa. Mais c'est ce qu'on a déjà. Pourquoi tu me dis qu'il y a des nouveaux trucs? Chapeau de tacticien. Ah ça peut être pas mal ça, pour le chapeau à plume, non? Voilà, ça me paraît mieux. J'ai besoin d'autres trucs. Ah. Défense physique, poids, probabilité de cibler, défense magique. Ça augmente la défense, ça augmente, mais ça augmente pas ses dégâts. Hein. Vu qu'elle a peu de poids, Adèle, elle tape rapidement, et ça c'est cool. Non, robe. Calaris. Ça augmente les PM, ça. PM plus 70. En vrai, pour elle, ça me paraît très bien parce que ça lui permet d'avoir 70 PM en plus. Quoique, est-ce que j'en ai besoin? C'est pour point. Suivi défense magique pour éviter d'être ciblé. Veste de ninja. Manteau de Valkyrie. Qualité des forces magiques. PM. PM plus 110.
Bah ouais. Ah, j'en prends deux, hein. Je suis désolé, mais la manteau de Valkyrie, plus 110 PM, c'est pas dégueu. Hein. Bon, j'ai plus d'argent. Hein. Est-ce que j'ai des trésors à vendre? Lame de folie. Non. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Ça ressemble, là où les esprits s'arrêtent. Ah, ok. On va rien vendre. On a plus de sous. On a claqué tout dans les... Aïe. Ah, je me suis cogné contre mon bureau. Ça a dû faire un bruit absolument dégueulasse. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.